Salut les fans du vocal, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler quelque chose de délirant que j'ai trouvé pour vous. J'ai déniché des petites perles, vous allez voir, sur le bon coin. Allez, c'est parti pour la première annonce. Un cardinalis à 75 euros pour l'aquarium l'eau douce. Alors si je comprends bien, il vend à 2,50€, mais pourquoi il a marqué 75€? C'est ça, je comprends pas. Au lieu de marquer 2,50€ direct, pourquoi marquer 75€? Mais je crois qu'il y aura personne qui va les téléphoner. Je crois qu'il y aura personne. Enfin bref, voilà quoi. 75 balles, mais c'est un cardinalis. Je sais pas si vous avez vu le bac. C'est un bac qui est en plexiglas. Il n'y a pas de filtration dedans. Comment tu veux ça vit un poisson là-dedans? Je ne comprends pas. Et surtout, il y a marqué, attention, c'est du vivant et tout. Voilà. Allez, passons au deuxième annonce. Alors, la deuxième annonce, c'est un bac à 2,000€. Regardez la photo. Ah ouais, quand même, 200 litres, 2000 balles, on est vachement loin du neuf quand même. C'est une autre galaxie là. C'est un aquarium peut-être en diamant. Un autre bac, hein. Cette fois-ci c'est un bac l'eau de mer. Le mec, il a trouvé le bac dans sa cave. Il va dire, ouais, allez, je vais faire un peu de sous. En plus, avec des taches de calcaire, l'eau de mer... Bon courage pour l'enlever, quoi. En plus, le bac, il est même pas percé. Pour 180 litres, à ce prix-là, waouh, c'est... Ah, cette fois-ci, on a trouvé un petit bac sympa pour vous, les gars. Ça méritait un petit peu... imagination. Vu l'état du bac, avec tous les canquers au milieu du bac, en plus, on n'est pas rempli jusqu'à ras-bord. Je sais pas si ça va fuir... Donc, avec un petit filtre externe, comme vous voyez sur la photo, pour 250€, je ne prendrai pas le risque de prendre ça. Même si j'en ai envie, le bac, il va faire quoi? 150 litres? 180 litres maximum? Donc, c'est à vous de juger. Ah, cette fois-ci, on va monter le niveau. On va monter un petit peu les niveaux, les gars. Regardez la photo qui va suivre. Un bac 50 litres. Il y a marqué pour requin, pour méduse, ainsi que piranha. Un 50 litres pour un requin. Oh, 50 litres c'est ça, c'est pas 5000 litres. Oh là, cette fois-ci, c'est le pompon de le bon coin. Un homard à 1,234€ pour l'aquarium. Non, mais c'est pas une blague, hein. Non, 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 un homard vivant à 1,234€. La preuve. En image. Ah, le niveau monte, le niveau monte. Là, j'ai trouvé quelque chose qui est sympa. Avec des discus. Des discus. Un aquarium à 600€. Mais quand tu regardes l'aquarium, c'est... Allez, 200 litres. 200 litres. En plus, dans l'aquarium, il n'y a pas marqué vente de 600€ avec ou sans les poissons. Donc, c'est un petit peu bizarre. Je vous laisse regarder et après, on repart. Si tu regardes bien, il y a 3 chauffages dans le bac pour 200 litres. Il ne peut pas mettre un seul chauffage, il faut 3. À ce prix-là, il te donne l'eau avec, le sable, le décor et les bactéries avec. Donc, tu rentres chez toi avec... tout l'eau et tout, pour 600 balles. Bah là, pareil, il y a un aquarium, 400 litres, pour 400€. Donc ça fait 1€ par litre. Mais en plus, dedans, il faut que toi, tu récupères les 3 Oscars qu'il y a dedans. Mais les Oscars, il faut des bacs de 1000 litres, ou même 1500 litres. Parce qu'un Oscar, quand ça grossit, le bordel, il fait ça. Dans un 400 litres, je crois que je sais pas ce que tu vas faire avec, même si tu prends le bac. Pour l'instant, ça vous a plu, c'est plutôt marrant. J'ai encore trouvé quelque chose encore marrant.
Le mec, il vend du sable. Sable, bon, ça se vend. Ok, ça se vend. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il vend du sable jaune, c'est-à-dire le sable filtration piscine, plus cher, ce qu'il a acheté à 1 euro le kilo. Donc, en 25 kilos, tu payes 25 euros. Si tu vas sur Leroy Merlin, tu payes que 10-15 euros les 25 kilos. Voilà, quoi. Alors, cette fois-ci, on a trouvé le top du top. Alors, j'ai trop kiffé l'annonce. Franchement, un aquarium pour enfants en plastique avec des boutons dessus, je te jure, ouais, un truc de ouf. Ah, quand tu regardes le bac, on dirait que c'est un aspirateur ou un mixeur, je sais pas quoi, et dedans, ça donne pas envie quoi. Ah, quand je dis que le niveau monte petit à petit, c'est que c'est vrai. Là, il y a un aquarium de 45 litres. 45 litres et le prix il est de 250 balles. Bon, ok, il y a un caillou, 2-3 plantes, 250 balles. Mais c'est plus cher que neuf, non? Je sais pas, je suis perdu. Voilà, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'on a bien rigolé parce que j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des trucs drôles de temps en temps. Quelquefois sérieux, mais bon, des fois, moi j'aime bien rigoler. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Laissez les commentaires, mets-toi un petit pouce bleu là, ça me fera plaisir. Et puis, tu mets la clochette au cas où pour la notification. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ici. Il y a un petit logo là. Tac, tu cliques dessus et tu es abonné. Voilà, j'espère que je n'ai pas blessé les gens qui ont mis les annonces sur le bon coin parce que c'est juste pour rire. Donc, il n'y en a aucune méchanceté là-dedans. Donc, voilà, c'est dans le monde d'aquariophilie, on le sait, c'est juste pour rigoler. Et puis, bon, des fois, on tombe sur les trucs un peu marrons. Et puis, bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Allez, je vous dis la prochaine fois, portez-vous bien. Pas là du bocal, à la prochaine.